venue. Vous connaissez. C'est On a tout essayé. Pourquoi je dis... Avant de vous présenter, pourquoi je dis vous connaissez, c'est On a tout essayé, parce que c'est aujourd'hui la 700e émission d'On a tout essayé. 700e. Ouais. On est compte un peu. Et regardez, franchement. Ils ne les font pas, hein, le vieux Jean-Bernard Rébé, ouais. Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou. Maureen d'or. Dans le désordre, hein, mais bon. Attends, mais c'est vachement émouvant. Mais y en Isabelle a... et moi, on était là pour la première, on est là pour la septième. Ah 700e. Oui, ça, je m'en rappelle. Ouais. Il y en a quand même qu'un qui en a fait 700. Il y en a qu'un qui est usé sous le harnais. 700. Et vrai. Oui, c'est vous. Nous, on en a fait beaucoup moins. Si on... Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 800, 900... Oh ben 10 000 ouais. Franchement, si c'est rien que pour faire chier Libé, je suis prêt à aller jusqu'à 10 000. On va peut-être remercier surtout, d'abord, toute l'équipe qui travaille avec nous. Catherine Barma, elle en a fait 700, elle aussi. Elle ne les fait pas. Et les téléspectateurs qui n'en ont peut-être pas fait 700, mais enfin, en tout cas, qui sont très fidèles depuis le début de cette émission. Alors, merci à eux. Voilà. Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de Yann Verling, secrétaire national des Verts, accompagné par trois autres dirigeants de son parti, hier, pour se baigner dans la Seine à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. On savait que les Verts, c'était un peu comme une secte, mais pas jusqu'à imaginer une tentative de suicide collectif. Ce qui est rigolo quand même, regardez, c'est la différence entre deux photos, l'une parue dans Métro et l'autre dans Libération. Regardez bien, c'est un peu comme le jeu des 7 erreurs. En fait, c'est la même photo prise quasiment au même moment, au même endroit, sauf qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Regardez, il y a un garçon qui... Alors, c'est curieux quand même. Et apparemment, on leur a fait refaire plusieurs fois la sortie de l'eau, ce qui est quand même... Mais non. Quoi? Non, c'était avant le bain à gauche et après le bain à droite. Ah non. Ah si, ils sont devenus gris, noirs de pollution. C'est pas mal. C'est aussi con que les gens, quand on dit aux enfants « Tu sais, tu dois manger parce qu'il y a des petits-enfants qui meurent de faim. » Quel est le rapport de cause à effet pour eux d'aller dans la Seine le jour où... C'est pour les photos. La preuve, c'est qu'ils ont fait deux fois la prise. Non, c'était politique. Mais bien sûr, c'est de la solidarité. C'est pour montrer qu'ils peuvent, eux aussi, avoir la même peau que le président ukrainien. En tout cas... La pêche n'a pas été miraculeuse. D'habitude, quand on plonge quatre verres dans un fleuve, il y a au moins un poisson qui meurt. Il faut dire que même pour un poisson, c'est pas facile à choper la ligne du parti. Une autre photo, celle de Jean-Luc Mélenchon, justement, le sénateur de l'Essonne, plutôt satisfait hier à l'issue du bureau national du Parti Socialiste, puisqu'alors que tout le monde pensait que François Hollande le sanctionnerait sévèrement pour le meeting que Mélenchon avait fait avec le Parti communiste, meeting pour le non, évidemment, eh bien, finalement, Mélenchon n'a pas été suspendu et s'est juste fait rappeler à l'ordre. Au PS, une sanction en caoutchouc, titre France Soir. Et c'est vrai qu'alors que tout le monde s'était fait un fromage de Hollande, on peut dire qu'il a eu la pâte molle plutôt que la pâte dure. C'est vrai, franchement, l'autorité de François Hollande en a pris un coup hier, un sacré coup. Même dans Première Compagnie, la discipline est mieux respectée. Alors, le journal L'Humanité titre ironiquement ce matin « Est-ce qu'il pleuvra des grenouilles si le non l'emporte ?» Puisque on reproche au tenant du « oui » des prédictions de scénarios apocalyptiques en cas de victoire du « non ». Et c'est vrai que François Hollande aurait eu tort, finalement, de diaboliser Mélenchon, Fabius ou Emmanueli, à l'heure où il y a une mode du mouvement sataniste en France. Faudrait quand même pas que ces trois-là terminent comme on les a imaginés. Regardez-les, ça fout la trouille quand même. Mélenchon, Fabius et Emmanueli. Une autre photo. Celle de Madame Chirac, qui répondant à un journal japonais sur l'éventuel troisième mandat de son mari, Jacques Chirac, à partir de 2007, se représentera-t-il ou pas, a répondu au journaliste japonais, c'est Madame Bernadette Chirac, je la cite, « Shiru mono wa iwazi in wono wa shirazu ». Ce qui veut dire, pour ceux qui n'ont pas fait sumo première langue, « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas ».
un autre proverbe japonais dit « Kikashishi deux coups, haute kakena kora, karajuge au cul ». Ce qui ne se traduit pas. Il y a un proverbe de Neuilly aussi qui dit « Rien ne sert de Sarkozy, il faut partir à point ». Puisqu'on est dans les langues étrangères, ce qui se passe dans l'ancienne République soviétique du Kirghizistan, où l'opposition prépare une révolution, partage là aussi la presse française, puisque même sur le nom du pays, les journaux ne sont pas d'accord. J'ai remarqué ça. Alors c'est assez marrant parce que dans Le Figaro, dans France Soir ou La Croix, qui sont plutôt des journaux de droite, on parle, regardez, du Kirghizistan. Alors que dans les journaux de gauche, comme Libération, Métro ou L'Humanité, on parle du Kirghizistan. Il y a un « i » en plus, ça doit être un « i » de dangereux révolutionnaire. Non, c'est important, le Kirghizistan ou le Kirghizistan, voilà. C'est selon les correcteurs des journaux, ça. Moi, je me souviens que Trotsky, tout le monde écrivait Trotsky, T-R-O-T-S-K-Y. Oui. Maintenant, ça s'écrit en américain, puisque Rossignol les a revendus. Oh. Oui. C'est avec un i, Trotsky. Alors justement, j'avais ce truc, j'écris Trotsky K-Y. Et le correcteur me dit K-Y. Je dis mais non, et j'arrive triomphant lui montrant une photographie de Trotsky dédicacée. Trotsky lui-même qui avait écrit avec un Y. Il dit bah il avait fait une faute d'orthographe à son nom parce que depuis 15 ans, il n'y a plus de i long, c'est-à-dire traduit par un Y, en russe. On met à la fin des mots. Donc vous voyez que c'est purement conventionnel. C'est, tout c'est ça. Cet autographe qui si je vous ennuie, vous n'avez qu'à le dire. Allez, une autre photo. Une photo du lycée de la réserve indienne du nord du Minnesota où un lycéen a quand même tué 9 personnes. Un coup de folie meurtrier d'un jeune indien fasciné par Hitler, précise Libération ce matin. Un fait divers, en tout cas tragique, évidemment. Seul France Soir nous donnèrent un léger espoir ce matin en titrant « Les lycéens bougent encore !» Mais hélas, à la lecture de l'article, on s'est aperçu qu'il s'agissait de quelques grèves qui perdurent en France contre la réforme Fillon. Autre photo, celle de Jean-Paul II, dont l'état de santé, hélas, s'est aggravé, nous dit la presse, à quelques jours de Pâques. François titre curieusement « Jean-Paul II ne fera pas le chemin de croix ». Franchement, je ne sais pas ce qu'il leur faut, parce que comme chemin de croix, au contraire, on ne peut pas faire plus réaliste que ce que vit sa sainteté en ce moment. À côté de ce que souffre Jean-Paul II, l'escalade de la butte Montmartre par l'archevêque de Paris, c'est un parcours de santé, croyez-moi. L'inquiétude est d'ailleurs tout aussi grande autour du prince Rainier. Ouais. Preuve en est, nous dit le Parisien, ses enfants qui se sont précipités pour être à ses côtés. Alors c'est vrai que ceux de Jean-Paul II ne se sont pas encore manifestés. Et on nous rappelle en tout cas la longue liste des hospitalisations du prince de Monaco. Seule bonne nouvelle dans tout ça, à la longue, Stéphanie risque de rencontrer un médecin réanimateur et ça aura plus de gueule qu'un dompteur, un acrobate ou un poissonnier. Et on termine par la boxe féminine à l'honneur aujourd'hui grâce à la sortie du poids lourd de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, qui devrait battre par KO tous les autres films sortis ce mercredi en termes de box-office, pardon, en termes de boxe aux filles, bien sûr. Oh. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Roberto Alagna, le célèbre ténor français dont les duos avec Angela Georgiou font la joie des mélomanes. Le 28 février dernier, la plus belle voix française a sorti 2 DVD. Roberto Alagna Live in Paris, c'est celui-là, et Cyrano of Bergerac, une version de Cyrano pour l'opéra. Je plaisante évidemment, il s'agit de Cyrano de Bergerac. Et franchement, là, il fallait le faire, interpréter ce personnage sans chanter du nez. Eh bien, il l'a fait, c'est une incroyable performance. Recevons tout de suite, puisque nous en avons l'honneur, Roberto Alagna. Bonsoir, bienvenue. Deux DVD, et j'ai lu dans la presse que vous aimiez ça, les DVD, plus que d'ailleurs les enregistrements sur disque. Pourquoi ? Mais parce qu'on a l'image en plus, donc c'est comme un shampoing où on a les deux dans le même flacon, on a le shampoing et l'après-shampoing. Et vous avez fait appel, je crois, à des spécialistes de retransmission sportive, ça oui, m'a oui, tout à fait. Amusé. Oui, parce que dans le monde de l'opéra, vous savez, tout est c'est conventionnel. C'est pour ça, Thierry Roland, moi sur le DVD, je ne comprenais pas pourquoi il parlait pendant que vous chantiez, c'était chiant. Mais vous savez pourquoi j'ai pris une équipe d'événements sportifs ? Parce que j'ai remarqué que dans le football, on suivait toujours le ballon, même si on ne savait pas où il allait. Donc j'ai fait appel à ces gens-là, qui sont de grands professionnels, et je suis vraiment ravi du résultat. On va faire connaissance avec vous tout au long de cette interview.
Love You. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Mais avant, regardons tout de suite un extrait. Alors, on a choisi un extrait du DVD Live in Paris. Ça, c'est un enregistrement Salle Gaveau, c'est ça? Oui, tout à fait, pour l'ouverture de la Salle Gaveau, une prestigieuse. En janvier 2001? Oui, tout à fait. Alors, l'extrait qu'on va regarder ensemble, c'est la Danza de Rossini. Rossini en DVD. C'est trop triste pour Vincent Delerme quand même qu'il y a des gens qui chantent comme ça. Alors, il faut quand même dire, parce que c'est intéressant, que cet autre DVD, là, c'est une création. Cyrano de Bergerac en opéra, ça n'avait jamais été fait. Non, ça avait été fait, mais avec un baryton, mais jamais avec un ténor. Annie Lemoine l'a regardé, Cyrano. Ouais, c'est très impressionnant, parce qu'il y a des gros moyens, quoi. C'est impressionnant, il y a beaucoup de monde sur scène, des chevaux, c'est presque un spectacle pour les enfants, faudra emmener voir. Oui, les enfants adorent. Voilà, c'est ça, faudrait que les enfants viennent voir ça, parce que c'est très vivant, c'est très coloré, c'est très beau et c'est pur. Maureen Dor. Qu'est-ce que vous pensez de maintenant, de tous ces grands spectacles opéra au Stade de France ou, vous en pensez quoi? Vous aimeriez, vous, aller chanter au Stade de France Pourquoi pas? Moi, si je peux amener un grand nombre de gens à l'opéra, je suis ravi de le faire. Vous savez, moi, j'ai reçu un don, je ne sais pas, divin, peut-être de Dieu, du diable, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on a reçu ce don, c'est pour le faire partager, pour donner des émotions aux gens et pas seulement à un public restreint d'opéra. Donc, on essaye en même temps de le partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce que je fais avec les DVD. C'est pour ça que j'ai produit avec Levon Saillant ce genre de spectacle, parce que je pense qu'il faut absolument que l'opéra devienne quelque chose de populaire, comme à l'époque. Et puis, à vos débuts, vous chantiez de la variété quand vous aviez 17 ans. Dans des cabarets. Oui, j'ai fait beaucoup de variétés. Vous n'avez pas été artiste lyrique tout de suite. Bon, vous savez, on ne devient pas ténor comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler, hein. Il faut des années d'études et donc, voilà, donc il faut un potentiel et puis ensuite. Et même, on ne vous imagine pas vous grattiez de la guitare parce que la guitare est chère. Aussi, alors s'il y a bien un truc, je l'imagine super bien. À mort, je vous imagine tellement bien faire la sérénade. C'est pour ça, moi, je trouve que vous avez une qualité formidable pour votre métier. C'est que vous êtes vous avez un physique. Pour moi, en totale adéquation. Écoutez, vous allez avec rougir, les chansons que vous chantez. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais le Live in Paris. Bon, cette espèce de grosse cravate comme ça, très siècle d'avant, très 19e, ça peut quand même être complètement tarte. Vous, je trouve que ça vous va très... C'est gentil de dire qu'un truc complètement tarte, ça lui va très bien. Non. Franchement, je ne sais pas comment il doit le prendre. Il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne suivent pas Eve Ruggieri régulièrement, que vous êtes français, hein, Roberto Alagna, parce que votre nom pourrait laisser penser que vous êtes italien. Vous avez des origines siciliennes. Ouais, mes parents sont siciliens, oui. Mais vous êtes né en France. Au point même, paraît-il que quand vous étiez enfant, vous cachiez votre vrai prénom et vous faisiez appeler Robert plutôt que Roberto. Oui, parce que vous savez, à l'école, c'était difficile. Quand j'avais 6-7 ans, Roberto, il s'était lourd à porter. Alors, on me traitait de spaghetti et tout ça. Bon, un petit peu comme dans les Rital de Cavana. Et puis un jour, je me suis aperçu que ça marchait mieux avec les filles. Donc, je me suis dit, bon, bah, je le garde. Vous êtes né à Clichy-sous-Bois et vous avez pris vos premiers cours de solfège par là. Au départ au Rincy, oui, au conservatoire du Rincy, puis ensuite dans ma famille. Et puis bon, mais vous savez, la musique fait partie de ma famille, donc j'ai tout appris à la maison un petit peu. C'est une famille d'artistes. C'est du traditionnel, oui. Jean-Bernard. Moi, je suis un petit peu gêné parce que je vais dire la plus grosse énormité du monde. Je n'aime pas l'opéra. Je n'aime pas l'opéra. Je n'arrive pas à m'y faire. J'ai vécu avec une femme qui écoutait de l'opéra tout le temps. Je lui disais, baisse les hurleurs. Parce que, non, tu es près de moi. Je n'aime pas ça. C'est quelque chose qui me choque. Mais d'un autre côté, quand j'ai regardé votre DVD, je me suis dit d'abord, et puis que j'ai lu votre bio, j'ai dit, il faut que je me méfie quand même, sicilien, il va m'envoyer les frères, donc je ne vais pas trop lui dire que je trouvais ça un peu ridicule. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Mais j'ai vu ce que vous aviez comme prix. Je veux dire, c'est incroyable, vous avez été disque d'or, Gramophone Awards, Grammy Awards, Best Recording, Record of the Year, Choc du Monde, la musique de Diapason d'or, Cecilia Pridge en Belgique, prix de la Deutsche Reich, en Allemagne. Meilleure production lyrique, prix Gloria, prix de la critique. Enfin, vous êtes une des têtes couronnées de l'opéra. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui. Ouais. Quel est votre... quel est... Exact. Quel est votre groupe de rock préféré? Oh.
J'en sais rien. Moi, vous savez, j'adore l'opéra. Et au départ, j'aimais pas ça non plus. Parce que dans ma famille, il y avait tellement de chanteurs d'opéra que ça m'impressionnait. Mais je n'aimais pas ça non plus parce que je ne comprenais rien. Et parce que j'étais pas éduqué, parce que j'avais pas cette sensibilité. Et puis, peu à peu, je suis rentré. C'est devenu comme une sorte de drogue. Et maintenant, quand j'en entends pas, ça me manque. Je suis en état de manque. Et tous les gens qui aiment l'opéra sont dans le même état. Donc, je vous conseille de ne pas entrer dans ce club parce que c'est difficile d'en sortir. Je me suis drogué avec d'autres trucs. Je vais pas me droguer à l'opéra. Je vais pas me retrouver en état de manque tout de suite. Sur ce DVD, il n'y a pas la Juventus de Turin, Jean-Luc, mais on vous l'a confié quand même, vous l'avez regardé. Évidemment. Et ce qui est formidable, c'est vraiment aller jusqu'au bout du DVD pour voir le moment des saluts où d'un seul coup, vous tombez le masque et vous devenez très humain et vous faites un geste... Non mais c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, c'est un extraterrestre qui est sur scène et vous dites au public, vous faites un geste genre non, stop, là je peux plus. Je voulais vous demander justement, comme c'est, vous faites vraiment travailler votre voix, combien de temps vous pouvez chanter comme ça en continu et quelle est la limite? Vous savez, dans un tour de force comme celui-là, puisque ce récital était un tour de force, puisque je chantais quasiment sans interruption d'orchestre, et donc je sens quitter la scène pour les besoins du DVD. Donc c'était vraiment un vrai tour de force. Donc ça dure à peu près 2 heures. Il y a à peu près 2 heures de concentration avant et d'échauffement. Un petit peu encore le matin, donc ça fait, vous faites le calcul. Là, j'ai offert quand même 8 bis. Des rappels. Des rappels, oui, voilà. Donc à un moment, les gens ne s'en vont plus. Je leur dis, il est tard, il faut quand même quitter la scène. Et ce qui est bien, c'est comme vous êtes très médiatisé, maintenant on apprend plein de choses importantes sur vous. Et j'ai lu quelque chose, c'est vos spécialités culinaires. Donc, il paraît que c'est le couscous chinois, l'omelette bleue avec des mûres et les spaghettis à l'orange. Donc, je voulais savoir, quand on est ténor, est-ce que c'est gênant de prendre de la drogue? Je voudrais savoir, et là, vous rejoignez un peu la critique de Jean-Bernard tout à l'heure, parce que vous avez déclaré que si vous étiez content de chanter aussi souvent que possible avec votre épouse, c'est parce que, en gros, avec les autres, il y a une sorte de concours entre chanteurs d'opéra à qui va chanter le plus fort. C'est vrai, ça? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'avec Angela, on se connaît tellement, tellement bien, il y a une telle communion que tout d'un coup, ça devient un vrai duo. Alors que souvent, avec les partenaires, chacun essaie de tirer un petit peu la couverture et il faut tout le temps lutter. Mais en même temps, avec Angela aussi, il y a une compétition, puisque Angela, c'est quand même la meilleure soprano d'aujourd'hui. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui on peut blaguer. Quoi. On va connaître vos goûts musicaux, puisque on a profité de votre présence ici pour vous proposer 3 CD. Il faudra en choisir un des 3, mais avant, vous aurez plaisir d'écouter l'avis de Jean-Bernard et de mes camarades. Et on commence... Je ne sais pas si ce sera un plaisir de nous entendre. On commence par quelqu'un que vous connaissez bien, j'imagine, Jean-Bernard, c'est Billy Idol. Alors, Billy Idol, ancien punk anglais, qui est parti aux États-Unis, qui a fait une assez belle carrière sur le fait qu'il était l'un des plus drogués des drogués. Il a aujourd'hui une 50aine d'années. Il a la forme, je l'ai vu chez Ardisson il y a quelques mois. Il est formidable. Il est assez beau physiquement, il fait de la gym. Il chante plutôt pas mal dans un genre assez mineur, qui est du hard rock. Et surtout, il s'est toujours vanté d'être une bête sexuelle, et les femmes ont l'air de vouloir le croire. Ah, moi, je me suis jamais vanté, c'est un fait. Vous trouvez ça génial, en gros? Attendez, c'est pas de l'opéra non plus, hein. C'est un genre mineur. Mais on a l'impression que tout d'un coup, là, vous... Oui, complexé par l'opéra. Mais non, mais vous avez le droit... Je suis pas complexé par l'opéra, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez le droit de ne pas aimer l'opéra. Il y a des tas de gens qui n'aiment pas l'opéra. Non, j'aime pas ce qu'ils disent. On chante quand même sur de la poésie incroyable. C'est du Victor Hugo, c'est du Shakespeare, c'est du Rostand. L'album s'appelle Devil's Playground, l'extrait de la chanson Scream. Devil's Playground, Isabelle. Il a une grosse bouche, il a des gros muscles, et ce qu'il chante, je m'en fous. Pierre. Non, moi je comprends que Jean-Bernard n'aime pas l'opéra quand on voit de telles merveilles. Ben vous tenterez éventuellement? Moi je ne tape pas sur les artistes, mais en tout cas je ne comprends pas non plus, j'arrive pas à comprendre. C'est comme vous dans l'opéra, et je ne comprends pas les mots, pourtant je parle anglais. On passe à un autre album, l'album de Beck. Alors Beck, lui c'est un chanteur intelligent. Il y en a quelques-uns cultivés. Alors évidemment, il y a des racines et des influences qui viennent dans tous les sens. C'est très dérangeant, c'est assez formidable. L'album s'appelle Guéro, voici un extrait du clip de la chanson Hypro. That's bitter.
album de Beck, Jean-Luc. Comme les précédents albums de Beck, j'aime beaucoup. Oui. Ouais, vraiment, je trouve que ça sonne bien, c'est très actuel. Les clips sont toujours imaginatifs, moi j'aime beaucoup. Vous voulez pas redire ce que vous avez dit à mes camarades assistants qui m'ont dit que vous aviez déclaré « il est bon, Beck ». Voilà. Ça, c'est pas mal. Isabelle ? Il y a deux choses que j'aime chez Beck. D'abord, ses chansons, j'aime bien écouter. Et puis j'adore la tête que fait Pierre quand il regarde le clip. On dirait mon chien quand on lui montre un truc qu'il n'a jamais vu. Il penche la tête comme ça. Pierre ? D'abord, je suis ravi qu'elle me compare à son chien, parce qu'il y a un début à tout dans les amours. Mais je voudrais dire que je comprends de plus en plus Jean-Bernard. Quand il entend des trucs comme ça, qu'il n'aime pas l'opéra. Et je comprends de plus en plus Roberto quand il va lui casser la gueule. Maureen ? Ah, j'adore. Ouais. Je trouve ça bien malin. On passe à Camille. Son album s'appelle Le Fil. Je ne connais pas Camille. Chef-d'œuvre. Ah oui ? Naissance d'une artiste. Alors ah oui ? Bon, ah oui. Pour ce qui est de la voix, effectivement, c'est pas un organe. C'est pas vous. Mais elle chante sublimement bien. Tout l'album est sublime. Il y a des mélodies extraordinaires. Vous dites elle ça parce que vous avez, peur qu'elle... Attendez, vous avez peur qu'elle soit en coulisses. Ah, pas du tout, ouais, je m'en fous, si, vous allez... savez bien quand je trouve que quelqu'un est mauvais. Je peux vous dire, il n'y a pas d'invité surprise, elle n'est pas là. Je m'en fous, je trouve ça formidable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi bien chez les Français. Elle s'appelle Camille, je ne connais pas l'album, c'est Sur le Fil, extrait de sa chanson Ta douleur, Camille. Tout lui confisquer ses fléchettes et dès son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je veux prendre ta douleur. De la récré, je prends mon cadeau. Maureen, je suis jalouse comme un pou. Ouais. Ah ouais, du talent de cette fille, de tout. Pierre. Tout. Moi, je suis pas vraiment jalouse, mais je trouve que elle tricote pas bien. Parce que... Alors, il faut en choisir un de ces trois CD, Roberto Alagna, Billy Idol, Camille ou Beck. Je prends Camille, ouais. Allez, il prend raison, Camille. Merci. Bravo. Un de nos plus grands ténors au monde était notre invité depuis quelques minutes. Merci, d'avoir accepté cette présence sur notre plateau à l'occasion de la sortie de deux DVD, Roberto Alagna Live in Paris, Cyrano de Bergerac, pour la première fois chanté par un ténor. Merci Roberto Alagna. Après le succès colossal de Da Vinci Code, vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, la France découvre Anges et démons, le premier roman de Dan Brown, écrit avant le Da Vinci Code, et paru aux États-Unis en 2000, mais qui est sorti seulement chez nous depuis quelques semaines. Dès sa sortie, Da Vinci Code avait suscité la polémique. Il y a même quelques jours, le Vatican a qualifié l'ouvrage de château de mensonge et appelé à ne pas le lire, ni même à l'acheter. Anges et démons fait lui aussi l'objet d'une controverse. Et pour en parler, nous allons accueillir dans un instant un écrivain qui, dans son livre Les sources secrètes du Da Vinci Code, tente de démontrer la dangerosité des écrits sur lesquels s'appuie l'écrivain Dan Brown pour écrire ses fameux thrillers. Mais avant ça, Thierry Marquet, notre Da Vinci con à nous, s'est rendu au Salon du Livre, au stand de l'éditeur de Dan Brown, et il a testé pour nous censurer les livres de Dan Brown. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Censurer les livres de Dan Brown. Dan Brown. Donc, écrit, si. Sur le livre Da Vinci Code. Ah, écoutez, qu'est-ce qu'il fait, ça, maman? Allez-y, Simon, allez-y. Ce cardinal Bertone. Questo libro è una offesa alla religione cattolica. Excusez-moi, madame. Nous sommes de l'association Pro Deus. Je suis avec le cardinal Bertonnet, l'archevêque de Gênes, madame. Ah oui, et alors? Ben, il trouve que ce livre est un château de mensonges. Il a lancé un appel à Radio Vatican pour dire de ne ni lire ni acheter ce livre. Mais arrête, de quoi vous vous mêlez là? Mais parce que vous mystifiez un petit peu non, l'histoire. Rien du tout. Quand on dit que Jésus s'est marié écoutez, avec Marie-Madeleine. Personne n'est obligé de lire. Pour le catholicisme, c'est très dur, monsieur, c'est très dur. Questo libro deve essere vietato al pubblico. On va les mettre en concile, madame. Nous sommes obligés. Tenez, Simon, rangez ça. Arrêtez. Si, si, besoin de tout le monde. Laissez les gens être libres de ce qu'ils peuvent lire ou pas lire. De quoi vous vous mêlez? Mais vous croyez que vous ne nous avez pas assez emmerdés pendant des siècles? Comme, besoin d'y arriver à tout.
rangez, s'il vous plaît. Allez, maintenant, vous sortez, maintenant. Allez. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, rangez les livres. Allez, non, vous sortez. C'est cardinal de Gênes, catholique. Mais qu'est-ce que ça change? Vous le savez, vous, si Jésus a eu des enfants ou pas? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour lui. Je suis la commissaire du salon, je suis la commissaire générale. D'accord. Je veux savoir ce qui se passe. Questo libro di Dan Brown deve essere vietato al pubblico. En fait, le cardinal de Gênes a lancé un appel sur Radio Vatican hier en disant qu'il ne faut ni lire ni acheter ce roman de Dan Brown. Et donc, alors, est-ce que c'est une raison pour l'enlever du stand? On est en France, on est dans un pays de liberté. Peut-être qu'au Vatican, ce n'est pas le cas. Mais en France, on a le droit de s'exprimer. Avec ce que vous êtes en train de faire, ce livre se vend déjà à des millions d'exemplaires. Oui. Vous êtes en train de faire quelque chose qui va se traduire par quoi? Le petit million qui ne l'aura pas lu va l'acheter pour savoir ce qui se passe. Donc c'est ridicule. Là, vous me donnez envie de le lire, ce livre. Sincèrement, je ne l'ai pas lu. Ça ne m'intéressait pas. Mais là, vous me donnez envie de le lire. En tout cas, est-ce que tout ça ne donne pas envie de lire tous les bouquins de Dan Brown? On va demander donc à Jean-Jacques Bedu, qui aux éditions du Rocher publie les sources secrètes du Da Vinci Code. Bonsoir. Parce que c'est vrai que c'est tout un paradoxe, finalement. Vous attaquez à Dan Brown à travers votre livre, en tout cas à ses écrits. Et pour bien comprendre votre livre, il faut mieux avoir lu ce qu'il a fait avant. Tout à fait, mais enfin, Da Vinci Code est un excellent livre. Moi, j'ai adoré. Bon. Alors, vous lui reprochez quoi, alors, à Dan Brown? Non, je m'intéresse aux sources de Da Vinci Code, qui sont quand même des sources un petit peu particulières, qui sont à la fois burlesques et nauséabondes. Vous dites, par exemple, que pour le dernier sorti chez nous, Anges et démons, il a quand même été cherché dans des ouvrages un peu sulfureux, oui, tout le à fameux fait. Livre jaune. Oui, en plus, bon, Dan Brown a dit dans une de ses interviews qu'il était stupéfait de la facilité avec laquelle on pouvait accéder à certaines sources secrètes. Il y a, depuis un certain nombre d'années, des textes qui circulent sous le manteau, des textes un peu étranges sur les sociétés secrètes, sur le rôle des juifs actuellement dans la grande finance internationale et des francs-maçons. Et Dan Brown s'en inspire. Donc il a écrit Da Vinci Code, bon, en prenant une société secrète qui s'appelait le Prieuré de Sion, donc Prieuré de Sion qui est un petit conventicule de 4 ou 5 personnes en réalité. Par contre là, dans Anges et démons, qui est un texte beaucoup plus délicat, il met en scène une autre société secrète qui s'appelle les Illuminati. Illuminati qui n'ont en réalité jamais existé. C'est un concept qui vient en réalité suite à un jeu vidéo au début des années 80. Et de ce jeu vidéo, l'extrême droite vend s'en emparer pour faire passer le principe et le concept du grand complot. Mais il dit clairement dans ce livre que ça a existé, la secte des Illuminati. Ah oui, mais il fait exactement le même principe que dans Da Vinci Code. C'est-à-dire qu'il y a une phrase liminaire, les faits. À mon avis, il vaut mieux l'arracher parce que sinon, on est vraiment complètement perdu. Isabelle Alonso, vous faites non de la tête. Moi, je trouve incroyable toute cette polémique. Il y a déjà les livres saints qui sont un super best-seller depuis 2000 ans, ou un petit peu moins. Et après ça, il y a eu ce bouquin, le Da Vinci Code, ça fait des 12 millions d'exemplaires dans le monde. Alors 25. Tout le monde, 20, ou 25. 20. Alors tout le monde s'énerve, évidemment, c'est le jackpot intégral. Et alors on commence à voir apparaître des bouquins qui s'accrochent à cette gloire-là et qui sont à l'écriture un peu ce que le morpion est à la vie sexuelle, un passager clandestin, pour faire aussi des tirages énormes. Mais en fait, c'est un petit peu comme si on était scandalisé que les services secrets anglais fassent un communiqué pour dire « Dites-moi, je tiens à dire que James Bond, c'est pas vrai du tout, agent secret, c'est pas aussi sexy. » C'est pareil, c'est un roman, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Non. Alors, Pierre. C'est un roman qui est basé sur de fausses révélations, sur une sorte de « Enfin, on va vous dire la vérité. » Il y a un complot, la théorie du complot, c'est le plus vieux truc. Quand on dit l'extrême droite, peu m'importe. Je veux dire, c'est... En étant anticlérical, il invente un nouveau cléricalisme de la thèse du complot. On laisse répondre Jean-Jacques Bedu à vous et à Isabelle. Et en fait, finalement, vous aussi, vous plongez dans la théorie du complot, quelque part. Non, parce que moi, j'ai été confronté à l'époque au Prieuré de Sion. Lorsque j'ai écrit un livre sur, justement, ces sources, sur l'énigme de Rennes-le-Château, puisque tout part de là, j'ai reçu des menaces. C'est quoi cette énigme? Alors, cette énigme, en fait, c'est une histoire saugrenue d'un prêtre qui aurait trouvé un trésor dans le sud de la France, et sa servante a vendu en viager l'intégralité donc, de ses biens de ce domaine, et elle a dit à la personne qui reprenait, « Mais je vais vous dire un secret qui fera de vous un homme très riche. » Bon, en réalité, elle n'a rien dit du tout, et...
Le personnage s'étant fait avoir, il a, de guerre lasse de n'avoir rien trouvé, inventé une histoire rocambolesque de la Bessonnière qui aurait trouvé ce fabuleux trésor qui était celui des Templiers, des Cathares, de Blanche de Castille, tout ce que vous le voulez. Le nom Saunière qu'on retrouve dans le bouquin. Absolument. Et il imprime ça sur une bande sonore dans son hôtel. Un journaliste passe, entend ça et va publier quelques jours plus tard, dans la Dépêche du Midi, trois séries d'articles retentissants. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, Gérard de Sède s'intéresse à l'affaire et, en parallèle de Gérard de Sède, Pierre Plantard, le grand maître du prieuré de Sion, on peut dire deux mots d'ailleurs sur le prieuré de Sion, qui en fait n'est qu'une simple association de loi 1905, qui est arrivée en 1956 à Annemasse et qui est une, comment dire, pour la défense des HLM. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Donc, et en 1956, fait troublant, donc ça commence à passer dans les journaux, Pierre Plantard s'y intéresse et il se dit, ben, on va pouvoir monter un canular et légitimer ma société secrète. Et un de ses acolytes, qui s'appelle Philippe de Chérizet, va en parler un soir dans un hôtel, enfin du moins dans une boîte de nuit près de la gare du Nord, à Francis Blanche, le célèbre humoriste de signer Furax. Et là, c'est extraordinaire parce que Francis Blanche lui dit, « Attends, ton histoire de parchemin m'intéresse, fabrique-moi des faux, tu les envoies à Arnaud de Chassipoulet. » Alors Arnaud de Chassipoulet, c'est le vicomte de la Bourse Plate dans signer Furax. Simplement, au lieu de les envoyer à Arnaud de Chassipoulet, ça part par des biais détournés chez Gérard de Sède. Gérard de Sède croit que les parchemins sont vrais, il va même jusqu'à les faire authentifier, et l'affaire va prendre un retentissement considérable. Donc on va croire que le prieuré de Sion existe vraiment, que c'est une antique société, et que le dénommé Plantard est l'héritier du trône de France. Ouais. Dernière étape, parce qu'il reste une dernière étape, c'est celle de l'arrivée des trois Anglais. Alors il y a un livre qui va paraître dans les années 80 qui s'appelle « L'énigme sacrée », et trois Anglais s'intéressent à l'affaire, et c'est pas très très intéressant pour eux qu'il y ait une lignée mérovingienne perdue et qu'on attende un dernier roi. Bon, ils se disent « il faut aller un petit peu plus loin, et on va inventer un autre canular, c'est celui du mariage entre Jésus et Marie-Madeleine ». Et ils vont greffer cette histoire, littéralement, et le dernier acte ben, s'appelle « Da Vinci Code ». Jean-Bernard. Tout ça, je pense, c'est une gigantesque connerie. Je pense qu'il y a une histoire qui est entièrement fabriquée avec la théorie du complot. Jamais on ne peut penser que c'est quelque chose qui est vrai. Donc ça ne sert à rien de le contredire. Moi, je crois au contraire que c'est l'Église qui a écrit ça. Parce qu'ils vont tellement mal qu'ils ont voulu envoyer à nouveau les gens dans les églises. Ils ont voulu redonner un intérêt à la religion. C'est la théorie du complot. C'est ça la vraie théorie du complot. C'est la théorie du complot, de la théorie du complot, de la théorie du complot. De la théorie du complot. Non, c'est bien gentil, j'espère que vous allez en vendre beaucoup, mais c'est, comme disent les Suisses du côté d'Annemasse, justement, c'est du bouillon pour les morts. Il faut voir ce qui se cache derrière Da Vinci Code. Bon, le prieuré de Sion, c'est une société ultranationaliste qui aborde les Juifs et les francs-maçons. Plantard s'est fait remarquer pendant la Seconde Guerre mondiale par Pétain. C'est un fan de Pétain. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se cache derrière, Angers des Monts, les Illuminati. Ouais. On retrouve des sources qui sont quand même étranges, qui s'appellent le Livre jaune. Et le Livre jaune, c'est le retour de la peste brune. Et ça, il faut le dénoncer parce que le lecteur qui veut en savoir plus, le lecteur qui veut en savoir plus, qui tape sur un moteur de recherche Illuminati, va être extrêmement surpris de voir des thèses absolument abracadabrantesques. Tous les gens qui ont fait l'enquête sur les faits, comme lui, comme Marie-France Ilchegouin, l'Observateur, bon, tous ces gens-là ont vu des tas d'erreurs factuelles sur l'église de Saint-Sulpice, soi-disant où il y aurait des trucs, c'est faux, ce truc. Et le seul qui a failli faire un procès, c'est la SNCF, parce qu'il raconte que son héros prend le train pour Lille, de Paris, à la gare Saint-Lazare, alors que ça part de la gare du Nord. Et ça, c'est dégueulasse. Et après ça, il y a aussi un autre truc formidable, il dit que pour aller du Louvre à la Concorde, il prend les Champs-Élysées. Alors que chacun sait que c'est pas vrai. Alors donc, si on se dit que tous les mythes et tous les dogmes qui sont bousculés ici sont avec autant de précision que la topographie parisienne, ça ne doit pas être formidable. Annie, voilà. Il faut noter qu'il y a un rapport qui est sorti hier sur la recrudescence des sectes en France et notamment sur le fait que les adolescents sont visés et que là, on est dans l'ésotérisme, on bascule vite dans le satanisme et c'est une façon d'entretenir cette espèce de c'est malsain, quoi. Da Vinci Code n'est pas très dangereux. C'est l'autre. C'est l'autre. Ange et démons. Moi, il faut faire attention. Moi, c'est un livre qui m'est littéralement tombé des mains. Jean-Luc Lemoine. Moi, j'ai pas lu Da Vinci Code parce qu'on m'avait dit que c'était un roman de plage et cette année, j'étais à la montagne. Donc, j'ai pas pu le lire, mais je trouve enfin, je sais pas, pour moi, c'est la mauvaise littérature. Vous dites, là, dans Angers et démons, il parle des Illuminati. Très franchement, si Da Demande n'avait pas ce succès, est-ce que vous manifesteriez si quelqu'un d'autre utilisait les Illuminati? De la même façon, parce que le thème est effectivement très nauséabond. Bah, par exemple, je prends Tomb Raider. Oui.
Tomb Raider, c'est un film qui est sorti en 2001, je vous lis le résumé. Hein. Car avant de disparaître, son père archéologue lui a dévoilé l'existence du triangle sacré. Recherché activement par les Illuminati, une société secrète œuvrant pour la destruction de l'humanité. On vous a jamais entendu, donc là... En Tomb Raider, vous n'avez aucune référence au texte des livres jaunes, donc à tous ces textes qui sont écrits par un néo-nazi, et que l'on retrouve, bien sûr, un petit peu édulcoré, dans J'ai des bons. Pour en savoir plus, ou en tout cas essayer de connaître la vérité sur ce qui existe ou pas entre le prieuré de Son, les Templiers, les francs-maçons, les fameux Illuminati, l'Ordre de la Fraternité Polaire, le Graal aussi, parce que ça aussi, ça a été l'objet de nombreux romans. Tout ça, c'est dans ses sources secrètes aux éditions du Rocher, signé Jean-Jacques Baudu. Merci à vous. Au revoir. Nous allons maintenant accueillir quelqu'un qui, depuis ses débuts au cinéma dans Chronique d'une mort annoncée, un film de Francesco Rossi, gagne petit à petit ses galons de comédien à part entière. Vous l'avez aimé dans La vérité si je mens, vous avez transpiré devant votre téléviseur en le regardant dans Un été de canicule. Eh bien, lundi prochain, à 20h55, sur France 2, vous pourrez le voir aux côtés de Mathilde Amet dans L'homme pressé, un téléfilm réalisé par Sébastien Graal, d'après le roman de Paul Morand. L'homme pressé, un personnage déjà interprété d'ailleurs au cinéma en 77 par Alain Delon, Delon père. Voici donc sur notre plateau, vous l'avez compris, Anthony Delon. Bonjour. Attends. Il y a Annie, mais elle est comme une folle. Déjà, elle voit la photo, fait, qu'est-ce qu'il est beau. Là, il arrive, il fait coucou, il fait, c'est pour moi. C'est d'ailleurs drôle, cette affiche de L'homme pressé qui annonce le téléfilm de lundi, parce que ça me rappelle effectivement cette course aussi dans Chronique d'une mort annoncée. C'est vrai. Et ça fait quand même quelque chose. C'est, pardon pour ces questions un peu routinières, mais j'imagine reprendre le rôle que son propre père a pu jouer dans les années 70. Je fais pas un remake d'un film de mon père, je joue dans une nouvelle adaptation d'un roman de Paul Morand. Alors lui, il a joué en 77, ils ont fait une adaptation moderne. Nous, on reste dans l'époque de Morand, c'est-à-dire dans les années 30. C'est une adaptation à part entière. Le film est très différent, le personnage aussi. Il y a beaucoup de nuances, donc j'ai pas le sentiment... Oui, j'interprète le même personnage, mais ce n'est pas un remake et les deux films n'ont rien à voir. En tout cas, L'homme pressé, vous le regarderez, vous, lundi soir. En voici en avant-goût grâce à une bande-annonce. Parlez-moi de Pierre. Vous le connaissez aussi bien que moi. Là, j'ai épousé un homme que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Pierre reconstruit sa vie tous les jours. En oubliant la veille. Si bien qu'après 30 ans de fréquentation quasi quotidienne, je serais bien en peine de vous dire qui il est vraiment. Nous n'avons échangé que des serments, jamais de confidences. Je voudrais trouver les clés. Non, ne vous épuisez pas à les chercher. Elles n'ouvrent qu'une porte. L'homme pressé, Anthony Delon. Annie Lemoine, vous avez vu le téléfilm, vous? Oui, moi je trouvais remarquable. La quarantaine vous va bien, Anthony. Te va bien, parce que maintenant oui, je dis. Plaît, tutoie-moi. Oui, c'est vrai. Vous pas que dans le sportif, vous. Mais arrêtez, n'insinuez pas des choses pareilles. Anthony est un homme fidèle, marié. Tu fais que dans les moches, en fait, c'est ça, hein? Non. Mais écoutez, ce que je peux vous dire à ceux qui nous regardent et à vous, Laurent, c'est que, en fait, moi j'ai vu le téléfilm, avant tout le monde, c'est vrai, mais il m'a poursuivi. Il a prêté sa démarche, il a prêté son crawl, il a prêté sa voix, ses attitudes, ses gestes, il crée un vrai personnage. Et le lendemain. Les comédiens font ça. Oui, non, mais attendez, non, mais Pierre, c'est pas si facile. Non, mais il a prêté son crawl. Tu l'as déjà vu en maillot de bain. Mais non, mais il y a une scène où il plonge comme ça d'une très belle... C'est très sportif comme rôle. Oui, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il compose un rôle et que le rôle, il nous donne quelque chose de lui dans ce rôle et que moi, le rôle m'a poursuivi parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien filmé et parce que c'est lui, parce qu'il le joue. C'est quelque chose de très réussi. Donc je dis que ça n'a pas été toujours le cas pour Anthony. Quelquefois, il était moins plein dans ses rôles, moins dense. Là, il a quelque chose de posé, de dense qu'il donne. Donc vivement les autres films, quoi. Parfait, Isabelle. Allez-y. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont aussi les rôles qui révèlent les acteurs. C'est-à-dire que c'est avec l'importance et le défi d'un rôle qu'on va effectivement s'engager plus ou moins. Et il y a des rôles qui vous révèlent et d'autres rôles qui peut-être vous enferment un petit peu aussi. Donc j'espère rencontrer plusieurs fois dans ma carrière des rôles comme celui de l'homme pressé. En revanche, moi ce qui m'a frappé, c'est vis-à-vis de vous, parce que vous êtes exactement le contraire dans la vie, j'ai l'impression. Vous jouez le rôle d'un homme pressé, alors que vous me donnez le sentiment dans la vie, étant fils d'eux, et ayant choisi le même métier que votre père, et tout ça c'est plutôt lourdingue comme sac à dos, et vous avez pris votre temps tranquillement,
petit à petit. Et petit à petit, vous êtes en train d'imposer votre propre personnage, qui, on voit bien que vous êtes le fils de votre père, et en même temps, vous êtes vraiment Anthony Delon à part entière. Quoi. Et je trouve que vous êtes en train de réussir un pari qui n'était pas du tout évident au départ. Quoi. Ça, je vous remercie. Alors, pressé ou pas pressé ? Je prends mon temps, je fais ce que je peux déjà. Je ne suis pas quelqu'un de pressé, mais je déteste perdre du temps. Donc j'essaye en général d'aller à l'essentiel. C'est l'impression que vous donnez, en tout cas. J'adore ces gestes, parce que... Excusez-moi de dire ça, mais j'ai souvent mais l'impression aussi, de voir Alain, parce que je l'ai connu petit. Et vous les... savez que Pierre Brasseur avait dit à son fils une phrase formidable, à son fils Claude, que vous illustrez à merveille. Il m'avait dit « Fuis l'imitation, accepte la ressemblance ». Et ça, c'est ce que vous faites. Il faut du temps pour ça. Il faut du temps, mais ça, c'est formidable. Vous avez eu la main comme ça, j'ai cru voir. Bon, ben, j'arrive en dernier, c'est vrai, les chiens font pas des chats. Moi, ce que je trouverais assez rigolo, c'est... en fait, ce serait pas mal que ce soit Alain qui vous imite, vous. En fait, il aurait pas mal de choses à vous prendre. Je veux dire, quand on voit l'allure, la prestance, la sûreté... Alors, peut-être qu'il a mis 40 ans avant d'y arriver. Enfin, il est là... Ça va, hein, il n'y a pas de problème. Tout... Alors, vous avez deux petites filles. Deux. Ouais. Oui. S'il y en a une qui vient et qui dit « Papa, je veux faire actrice », vous faites quoi ? Ah, je mettrai toute mon énergie pour l'aider à faire ce métier. Donc, aucun regret sur rien ? Aucun regret sur rien. Enfin, je veux dire, en tout cas, de ce côté-là. Mais là, c'est qui ? C'est votre père ou c'est vous ? Non, là, c'est moi, là. Oh, ça, c'est incroyable. Jean-Luc Lemoine. Alors oui, je l'ai vu deux fois même. Je l'ai regardé une première fois normale et une deuxième fois d'accéléré pour avoir l'homme très pressé. Et ça se regarde bien aussi comme ça. Mais je vous ai trouvé formidable parce que moi, je ne vous avais pas vu encore dans un film où vous portiez autant le film sur vos épaules et vous avez la carrure pour... Vous êtes très bien. En plus, ce téléfilm est formidable parce que c'est un téléfilm France 2 et je ne veux pas perdre ma place. même si je trouve que faire un film sur un homme qui vit à 100 à l'heure, qui se donne à fond dans son boulot, c'est un peu tôt pour faire la biographie de Laurent Ruquier, mais c'est vachement bien. Et moi, j'ai l'impression que plus on vous voit, plus vous vous livrez, plus vous êtes naturel. Il y a quelques années, vous arriviez sur les plateaux de télé avec le sourcil froncé, un peu mystérieux et tout. On a l'impression que vous vous êtes libéré de quelque chose. Est-ce que c'est vrai, ça ? Je me suis libéré de quelque chose. Oui, c'est vrai, j'ai le sentiment aujourd'hui d'être en accord avec moi. Voilà, je me sens bien. Mot, excusez-moi, un mot symboliquement, vous le disiez tout à l'heure, mais on ne peut pas s'empêcher d'insister, symboliquement, vous reprenez le rôle du père comme une renaissance, vous prenez sa place. Je ne prends pas sa place. C'est les hasards du calendrier, ça. Mais j'aurais pu dire non aussi. Je ne prends pas sa place. On va vérifier, en tout cas, si vous avez changé, puisqu'ici, on a une rubrique qui consiste à regarder un peu en arrière les déclarations des années précédentes. Et c'est Maureen Dor qui s'y est plongée dans ces déclarations. À vous de dire si, un, peut-être le journaliste a travesti la phrase que vous lui aviez donnée, ou deux, est-ce que vous avez changé d'avis depuis ? On commence, Maureen. Alors, pour François, en juillet 92, vous avez dit... Oui, c'est vieux, hein. Non, c'est parce que vous avez dit quelques conneries, quand même. C'est... Je ne regrette rien... Heureusement. Je ne regrette rien parce que... c'est pas notre genre. Non, bien sûr. Surtout pas vous. Ah, non. Bon, alors, donc, vous avez dit « Je ne regrette rien parce que les études, je n'en serais pas capable et c'est quand même une bonne perte de temps. » Maintenant que vous êtes papa, vous allez dire la même chose à votre enfant, bonne perte de temps, les études, faut pas y aller. Ah, moi, j'ai dit à ma fille que j'avais passé mon bac avec une mention très bien. C'est vrai? Évidemment. Suivante. Alors, Hollande, février 2001, vous dites, c'est insupportable, vous dînez avec une amie, vous flânez dans les rues et aussitôt, on vous soupçonne d'avoir une liaison. Et du coup, ça vous a obligé... Une liaison, c'est bien dit, ça. C'est joli, quand même. Oui, c'est joli. Bien, les liaisons. Elle fait bien les liaisons, hein. J'ai dû me faire choper dans Voici ou un magazine comme ça et ça avait dû m'énerver. Ça vous a rendu un peu parano? Non, à un pas donné, parano, non, mais maintenant bon. Vous faites dîner à la maison. Non, je sors plus de chez pas moi. Pas parano, mais prudent maintenant. Ouais, mais plus maintenant. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être prudent. Je suis tranquille chez moi. Voilà. Calé et casé. Qu'est-ce qu'il a dit? Et enfin, pour Téléstar, en 2003, vous avez dit mon père et moi, on s'est enfin rencontrés. C'est un peu la vie, ça. On se rencontre, puis on se sépare, puis on se rencontre, puis on se sépare. Mais là, par exemple, ça va être Pâques, vous allez faire une... C'est quoi Pâques chez les Delon? C'est Alain Delon qui met les œufs de Pâques dans le jardin ou... Quoi? Mais pourquoi pas? Ça, c'est sûr. Ça, je peux dire que même quand tu... En tout cas, moi, j'espère qu'un truc, c'est que les cloches vont s'en aller. Hein. Ah, elles reviennent.
Même quand ils étaient fâchés, tous les ans, Alain mettait les œufs pour Anthony dans la... C'est pas ici. Formidable. Comment vous savez ça? Ben voilà, peut-être qu'il le fait. C'est rigolo, quoi. Pas que c'est pas tellement une fête de famille, c'est pour ça que je dis ça, quoi. C'est pas une... c'est une fête de famille. C'est pas comme Noël, c'est pas comme... Bah, bien sûr que ah bon si. Ah si, c'est une fête de famille. Il n'y a pas longtemps que je vis dans ce pays. Allez, merci Anthony pour vos réponses à Maureen Dor. Vous restez encore avec nous quelques minutes, juste le temps du Qui a déconné. Je vous propose quelqu'un qui peut encore gagner des points et peut-être même passer en tête, c'est François Hollande. Il a déjà 130 points dans notre classement et on lui reproche aujourd'hui, eh bien, sa faiblesse face à Mélenchon et les autres. Il aurait peut-être dû exclure Mélenchon. Dit qu'il a été trop caoutchouc hier, trop mou, François Hollande. Alors, trop mou, oui ou non? 0, 10, 20 ou 30 points? Ouais, je trouve qu'il a fait une bêtise. 30 oui. points, Pierre. Moi, je mets 10 points, parce que il en a marre, je crois. Isabelle Alonso. Moi, je lui colle 20 points. Je suis encore friande de débats d'idées et je m'en fous de la discipline interne du PS. Franchement, c'est pas mon problème. Jean-Bernard. Grand sens politique, évidemment, il pouvait pas les virer, il peut pas créer un schisme. Zéro. Très bien. Annie. Qu'est-ce que vous voulez? Il fait comme il pneut, on disait, non? Il fait comme il pneut et on ajoutait, mais il n'est pas une chambre à air. Ça vous rappelle pas ça? Ça, on va pas le garder dans le best-of. 10 points. Jean-Luc. 10 points parce qu'il était beaucoup plus ferme qu'on ne le croit, la presse ne sait pas tout, parce qu'il faut savoir que les gens incriminés ont été privés de dessert à la cantine du PS. Anthony Delon, 10 points. Je mets 10 points parce qu'il a fait ce qu'il a pu, puis c'est vrai que les problèmes internes du Parti Socialiste, de tous les partis d'ailleurs, je m'en fous un peu. Alors, ça fait un total pour François Hollande de 90. Ah, quelqu'un qui n'était pas encore dans notre Kick à déconner, c'était une injustice, Maître Gilbert Collard, l'avocat bien connu, qui ne se mêle pas seulement des affaires dont il s'occupe, mais aussi de politique, et il a décidé de faire campagne pour le non au référendum. Encore un argument pour le camp du oui, 0, 10, 20 ou 30 points. Je donne 0 points, parce qu'évidemment, de son point de vue, c'est pas du tout une connerie, puisque ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus, il a réussi à faire en sorte qu'on reparle de lui. Pierre. Bah, je donne 0 points, parce que ça fait un argument pour le camp du oui. Si c'est pour me piquer mes répliques chaque fois, tu n'as qu'à rester chez toi. C'était écrit déjà, ça, hein, je vous signale. Si vous aviez lu, mon cher Pierre. Isabelle Alonso. Je lui donne 30 points parce que est-ce qu'il s'imagine seulement que ça va influencer qui que ce soit? On s'en fout. Ou alors qu'il sorte une idée un peu originale, quoi. 30 points, Jean-Bernard. 30 points parce que c'est un trouillard. Il a peur des avocats polonais. Annie. Il a le droit de donner son avis. 0 points, je redonne le mien. Votez oui. Jean-Luc. Oh, 10 points, ce qu'il est cohérent dans sa ligne de conduite. Déjà, Richard Virin, quand on lui demandait s'il se dopait, il répondait non. Anthony. Moi, je mets 30 points parce qu'on ne lui demande pas de donner son avis. Je m'en fous aussi un peu, puis je le trouve un peu antipathique, moi, ce monsieur, donc voilà. Alors, ça fait 100 points comme ça, c'est clair. 100 points pour Maître Collard. Alors... Quelqu'un qu'on aime bien, que je vous propose dans le Kika déconné, moi-même je l'adore, c'est Maria Pacôme. Parce que dans Téléstar, elle dit qu'elle regrette d'avoir participé à l'émission de Mireille Dumas, Vie privée, vie publique, diffusée ce soir sur France 3. Et elle dit, Maria, Mireille Dumas m'a bien eu, elle joue la psy, elle m'a forcé à être impudique, ce que je déteste. Ben oui, mais enfin, quand on va chez Mireille Dumas, on sait quand même où on met les pieds, hein, on découvre pas ça après. Maureen Dor. Elle fait une grave erreur en croyant que c'est pas bon pour elle d'avoir été chez Mireille Dumas. Justement, ça la rend encore plus... Alors, faut y mettre 30 points. Bah, non, parce que pour moi, c'est pas une connerie. Mais elle dit que c'est une connerie. Bon, je suis conne, alors je me mets 30 points, voilà. Voilà. Pierre, enfin un éclair de lucidité. Moi, je lui mets 10 points parce que, évidemment, comme tout le monde ici, j'adore Maria Paco, mais depuis plus longtemps que vous. Mais quand on va chez Mireille Dumas, on sait bien qu'on va avoir des questions un peu dans les réponses pourront sembler impudiques. Et, oui. Et donc, il faudrait qu'elle achète une télé. Quoi. Isabelle Alonso. C'est pas parce qu'on va dans une émission qu'on est conscient de ce qui va s'y passer. On peut très bien se faire piéger, même quand on a fait de la télé très longtemps. Donc, Jean-Bernard. Zéro. J'aime Maria Pacôme comme tout le monde, mais quand on se déshabille, en général, on montre son cul. Oh. Annie Lemoine. 0 points, parce qu'on peut aller de toute bonne foi dans une émission de télévision et se faire avoir. Eh oui. Jean-Luc. 20 points, parce que moi aussi, évidemment, j'adore Maria Pacôme, mais pour la prochaine fois, il faut aussi étudier le titre de l'émission Vie privée, vie publique. Si on vous propose 30 millions d'amis, on va vous demander votre chien. Méfiez-vous. Oui. Voilà, oui. Quand même. Anthony.
Moi, j'aime beaucoup Maria Paco, mais effectivement, on peut aller dans une émission... Ce n'est pas possible. ...et se faire avoir. Les artistes sont des gens fragiles. C'est des choses qui peuvent arriver, voilà. Total pour Maria, 60 points. Vous êtes allé déjà, vous, chez Mireille Dumas? Ah non, moi, j'irai pas, moi. Ah, vous auriez peur des questions Pas du tout, mais elle m'est antipathique, alors, voilà. Surtout quand elle reçoit Collard, en plus. Allez, c'est tout, c'est comme ça. Cette air folle de joie, c'est pas parce que quelqu'un lui est antipathique que tu lui es sympathique. C'est pas non, je note sa sincérité, il y a pas... Depuis qu'elle sort avec le petit Delon, celle-là, il y a plus de... Il y en a marre. Allez, on va remercier Anthony Delon, lundi soir sur France 2 dans L'Homme pressé. Ben justement, on vous laisse y aller. Merci, à demain, bye bye.